Bonjour à tous, et ben, ravi de vous retrouver ce mois-ci pour un nouveau billet. Un billet où je voulais tirer les enseignements finalement d'un événement qu'on a tous vécu, où on a tous communié, on s'est tous éclatés, les JO. Et je trouve que quelle leçon finalement pour nous, l'ensemble des Français et pour les médias, ces fameux JO. Si on analyse, il y a 7 ans, toute la France s'est mobilisée, tous les partis politiques, pour gagner les JO devant Los Angeles et être le pays organisateur. Et puis, bah finalement, au fur et à mesure, les Français ont fait du français, les médias ont fait du média. C'est qu'on a commencé à dézinguer en permanence cette organisation. Les travaux allaient mal se passer, problèmes dans les transports, problèmes de sécurité, y compris les menaces de grève pour bloquer l'événement. Voilà, le savoir-faire français de s'autodétruire, de se faire du mal, de casser les énergies finalement de ceux qui ont la chance d'en avoir pour faire avancer la nation et prendre des initiatives. Et puis, avec une cérémonie d'ouverture assez magique, j'ai l'impression que ça a tout fait basculer. Et finalement, les Français se sont mobilisés, ont positivé, on a redécouvert le savoir-vivre ensemble, retrouvé cette fraternité, le plaisir et la fierté du drapeau français, de chanter la Marseillaise. Et puis, un élément qui a fait du bien aussi, c'est que les politiques qui rêvent de changer nos vies, finalement, ont changé nos vies pendant le mois d'août. Parce qu'ils sont tus, et ça nous a fait le plus grand bien finalement de ne pas les entendre se pourrir en permanence et dézinguer en permanence le pays. En tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment particulièrement apprécié cette période. Et finalement, tous les Français, on a découvert, redécouvert le plaisir de vivre ensemble et découvert qu'il y avait une vie qui était un peu plus sympa finalement quand on était dans un schéma un peu plus positif et un peu plus... ensemble, c'est que ça permettait justement d'affronter les périodes un peu plus compliquées. Voilà, et quelle fierté en tout cas personnelle on peut avoir d'être français et de voir que quand on est tous réunis, bah, finalement on arrive à faire des choses uniques, que l'ensemble du monde a pu admirer et a pu être très admiratif de cette créativité française. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse lire mon billet qui est en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me faire vos propres retours d'expérience. À bientôt!